Dans cette leçon, je vais introduire une notion mathématique très importante qui sera utilisée tout au long de ce cours. C'est notamment par rapport au calcul d'intégrale. Le calcul d'intégrale intervient dans le calcul de plusieurs paramètres utiles pour le dimensionnement des fondations superficielles selon le fascicule 62, titre 5. Donc, soit f une fonction continue et positive, on considère la courbe C de f. Dans un repère, on appelle l'intégrale de A à B de la fonction f l'aire du domaine situé sous la courbe entre les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B et l'axe des abscisses. Et c'est noté voilà, par ce symbole intégrale de A à B de f de x dx. Donc la représentation géométrique, c'est comme on peut le voir à droite. Nous avons notre courbe et on a A et B qui sont là, qui délimitent sur l'axe des abscisses le début et la fin de la zone considérée. Et l'aire de toute la partie hachurée, en fait, en dessous de la courbe, c'est tout simplement la valeur de l'intégrale de A à B. La méthode conventionnelle pour calculer l'intégrale d'une fonction revient tout simplement à calculer l'une des primitives et d'évaluer la fonction en A, l'évaluer en B et faire la différence. Mais le problème très souvent, c'est que lorsqu'on a des fonctions qui résultent des valeurs expérimentales, il est difficile de pouvoir calculer l'intégrale de ces fonctions. C'est pour cela que dans cette leçon, je vais te montrer une méthode très efficace et largement utilisée pour calculer l'intégrale d'une fonction quelconque sans connaître sa primitive. Ça, c'est très important. Et sans même nécessairement avoir besoin de connaître explicitement toute l'équation de la fonction. Donc cette méthode, c'est la méthode, il y en a plusieurs parmi lesquelles l'une des méthodes les plus populaires, c'est la méthode des rectangles. Cette méthode consiste tout simplement à diviser notre aire hachurée en des rectangles de largeur constante. C'est vrai que sur le schéma, les largeurs varient, mais en réalité, les largeurs sont les mêmes de largeur constante et la hauteur du rectangle est égale à la moitié si je prends deux points, si je prends le premier point et le second point. La hauteur de ce premier rectangle, c'est le milieu en fait, voilà, de ces deux points sur la courbe. Et la même chose, si je prends ce deuxième rectangle, je prends le premier, ce point sur la courbe et je prends le point suivant. Si je prends le milieu, voilà, la hauteur du deuxième triangle est égale à la valeur en Y de ce milieu, ainsi de suite. Donc, on peut représenter ou bien on peut approximer notre R en une succession de rectangles ayant une base constante, de largeur constante et de hauteur égale, justement, comme on l'a dit, à la moitié de la valeur de Y ou bien de la valeur de la fonction entre ces deux points. Dès lors, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir calculer l'intégrale, c'est tout simplement me fixer une largeur des rectangles. Et la largeur ne doit pas être très grande parce qu'elle doit approximer au mieux la courbe. Ça doit être une valeur assez faible. Et je dois calculer également cette hauteur-ci. Donc, si j'ai ce point-ci, j'ai le premier point, j'ai le second point, forcément, la hauteur peut être approximée. Si la distance est assez petite, la courbe sur cet intervalle peut être approximée à une droite. Et le milieu, justement, peut être calculé comme étant la somme des ordonnées divisée par 2, donc la moyenne des ordonnées. Donc, je peux faire ainsi pour tout les rectangles et ainsi calculer toute cette intégrale reviendra tout simplement à calculer l'aire de chaque rectangle qui revient tout simplement à faire la base multipliée par la hauteur que je connais déjà comme on a expliqué et je fais la somme des aires de tous ces rectangles et ça me donne l'intégrale de A à B. Donc tu vois que dans cette formulation, j'ai besoin de connaître explicitement la forme analytique de la fonction f de x et mieux encore, je n'ai pas besoin de calculer l'intégrale. Donc, nous allons, par exemple, considérer un exercice où, si je veux calculer l'aire d'un quart de cercle, n'est-ce pas, ayant pour origine O et pour rayon R, nous savons que le cercle, la partie positive, a pour équation Y est égale à racine carrée de R carré moins X, où R, ce n'est rien d'autre que le rayon du cercle. Je peux calculer donc l'aire du cercle comme étant l'intégrale de 0. Si je m'intéresse uniquement à cette partie-ci, au quart de cercle hachuré, alors son aire peut être calculée comme étant l'intégrale de 0 à r de y dx. Si je remplace y par sa forme analytique, alors je vais obtenir tout simplement
cette expression, l'air, c'est l'intégrale de 0 à r de racine carrée de r carré moins x carré dx. Nous savons également que si nous prenons un cercle de rayon r égale à 1, alors l'air peut être calculé comme étant pi r carré sur 4. Ça, c'est la formule que nous connaissons lorsqu'on utilise la primitive, c'est-à-dire la méthode de primitive pour calculer l'air du cercle. Donc, on a pi r carré qui est égal à l'air de tout le cercle divisé par 4, puisque c'est uniquement l'air du cadre du cercle que je veux. En utilisant donc cette méthode, on obtient que l'air dans ce cas est égal à 0,78. Voilà. Maintenant, nous allons partir utiliser la méthode qu'on vient de voir, c'est-à-dire la méthode des rectangles. Donc, nous allons le faire dans Excel. Voici l'équation de notre cercle. Je tire ça ici pour qu'on voit ça bien. Donc là, je vais mettre par exemple les valeurs de x ici. Et ici, je vais mettre les valeurs de y correspondantes. Nous allons commencer par donner la valeur du rayon. Donc, on a dit que le rayon était égal à 1. Et on a dit qu'on faisait un espacement. Tu te rappelles, on a dit qu'on divisait notre surface en des rectangles ayant une certaine largeur constante. Donc, la base qui est la largeur du rectangle, on va appeler ça petit r. Et disons par exemple que petit r, on avait dit que ça devait être une très petite valeur pour qu'on puisse approximer la courbe entre deux points comme étant une ligne. Donc, on va prendre par exemple 0,01. Voilà. Maintenant, les valeurs de x, on va par exemple dire que la première valeur de x est égale à cette valeur ici, et chaque fois on va augmenter 0,01. Donc on va, c'est comme une suite arithmétique de raison 0,01. Donc on va dire que la valeur suivante est égale à la valeur précédente plus 0,01, donc plus ça, la raison qui est ça. Et je vais mettre appuyer F4 pour bloquer. Voilà, je fais entrer et je peux tirer tout ça. Je tire. Le rayon, c'est 1, donc on va tirer jusqu'à ce qu'on obtienne 1, puisqu'on a dit que le cercle de rayon 1. Donc là, je suis à 0,97, je suis à 0,99. Je ne peux pas aller à 1 parce que si je pars à 1, ici là dans le calcul de l'intégrale, j'aurai 1 qui est le rayon qui est constant, moins 1 qui est x. J'aurai racine carrée de 0, ce qui est impossible. Donc je vais me limiter à 0,99 dans ce cas. Voilà. Et maintenant, les valeurs de y, je peux les calculer comme étant, on sait que la racine carrée, c'est puissance 0,5. Donc, je vais dire r qui est ceci. Je mets d'abord égal, voilà, je mets les parenthèses. Donc, r qui est cette valeur-ci. Je dois bloquer parce que c'est une valeur constante. Il fait au carré. Donc, après, je fais moins. Je fais x qui est cette valeur si je fais aussi au carré. Et je ferme les parenthèses. Je mets à la puissance 0,5 puisque c'est la racine carrée. Voilà. Et je fais entrée. Donc là, c'est la valeur de y qui est calculée avec x égale à 0,01. Et je peux tirer. Ça applique la même formule partout. Voilà. Et les différentes valeurs de y sont calculés. Parfait. Donc on s'est dit que chaque rectangle avait pour base x qui est une valeur constante. Tu vois, si je fais la différence, ça me donne toujours 0,1 qui est la base constante. Et l'ordonnée était, voilà, un point et le suivant, le milieu du segment. Donc si je prends celui-ci et celui-ci, l'ordonnée c'est leur moyenne. Donc ici là, je vais dire que ici j'aurai y que i plus, on va dire que plus y plus 1. Je vais mettre ça en indice pour que ce soit un peu beau. Donc je viens là, je viens accueil. On fait d'une pierre deux coups et tu apprends également à utiliser certaines fonctionnalités d'Excel si tu ne connaissais pas. Bon, si tu connaissais déjà, c'est super parce que ça te permet de réviser. Voilà, je mets un indice, je fais mets les parenthèses là et là. Voilà. Donc ici là, j'ai envie d'avoir les valeurs divisées par 2. Donc ça, j'enlève en indice qui va représenter dans ce cas la hauteur de mon rectangle.
Donc la première valeur, évidemment, il n'y a aucune valeur avant, donc c'est égal à ceci, j'initialise là. Et maintenant, la valeur suivante sera égale à la valeur précédente plus la valeur suivante. Et je mets les parenthèses que je divise maintenant par 2. Je fais entrée et je peux tirer la formule, ça l'applique partout. Là, ça me donne la hauteur de chaque rectangle qui approxime mon quart de cercle. Voilà, c'est parfait. Donc, je peux maintenant calculer l'aire de chaque rectangle comme étant le produit. Nous savons que l'aire du rectangle, c'est la base qui n'est rien d'autre que ceci, dont je vais mettre égal, qui est rien d'autre que la division ici, et je vais bloquer parce que c'est une valeur constante en appuyant F4, et je multiplie ça par la hauteur qui est la moyenne, voilà, des Y, donc multiplié par ceci, je fais entrée, et je sur le petit carré, je tire, voilà, et hop. Donc cette colonne-ci, c'est tout simplement l'aire des différents petits rectangles qu'on a représentés tout à l'heure dans la présentation. Donc si je fais la somme de toutes ces aires de rectangles ici, à la fin, je suis censé obtenir l'aire de mon quart de cercle. Donc ici en bas, je vais faire la somme, ou bien je peux la faire ici en haut. Donc je peux par exemple mettre ça ici. Je vais mettre égal, appelons ça S, ou bien A, voilà. Et je mets ça ici à côté, égal à la somme, je double-clique et je sélectionne tout ça, la somme des aires des petits rectangles. Donc ici, je sélectionne tout ça jusqu'ici et je fais entrée. Et voilà, si je fais l'approximation à deux chiffres après la virgule, tu vois, j'ai exactement 0,78 comme nous l'avons vu tout à l'heure en utilisant la méthode par calcul d'intégrale, la méthode que nous connaissons depuis l'école élémentaire. Nous constatons donc que la méthode des trapèzes marche très bien et nous n'avons pas besoin de calculer la primitive des fonctions. Et ceci est très capital parce que dans la suite, nous allons calculer, comme je l'ai dit au début, plusieurs paramètres pour l'évaluation de la charge admissible des fondations superficielles sur le fascicule 62 par les intégrales. Et c'est cette méthode des rectangles que nous allons utiliser pour nous faciliter la vie parce qu'il ne sera pas évident de pouvoir calculer l'intégrale en cherchant la primitive.